Comment ça fonctionne? C'est très simple. On va imaginer un investissement à 250 000 euros sur lequel on va distinguer évidemment ma partie foncière, hein, qui est ma partie immobilière en l'état dégradé, de ma partie travaux à 180 000 euros. En monument historique, je ne paye les frais de notaire que sur la partie foncière. On est sur des frais de notaire de l'ancien, donc 7,5-8%, sur la partie foncière uniquement et sur la partie parking. Ce qui nous intéresse dans le cadre de l'économie d'impôt, ce sont les travaux que, alors pour l'exemple, j'ai choisi de les ventiler de façon linéaire sur 3 années pour simplifier les calculs, mais on peut, comme je vous l'ai dit, piloter ces appels de fonds si on a des revenus qui fluctuent au cours du temps. Donc, imaginons que ces 180 000 euros, je les ventile sur 3 années, les 3 années de travaux, et 60 000 euros d'appels de fonds chaque année. Ces 60 000 euros, très simplement, si je suis dans une tranche à 41 et que je neutralise que des revenus à 41%, mon économie, j'ai neutralisé des revenus à 41%, donc c'est 41% de 60 000 euros. Donc j'ai une économie de 24 600 euros la première année, même chose la deuxième année, même chose la troisième année, j'ai une économie globale de 73 800 euros. Je vais essayer de répondre aux questions. Si vous ne mettez pas en location cet investissement en résidence secondaire, alors résidence secondaire, c'est assimilé résidence principale. Vous avez la déduction de 50% des travaux seulement.